PEGI 18. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure. Bien sûr vous ne rêvez pas, on se retrouve pour le premier épisode sur le nouveau jeu Dead Island 2. Puisque vous me l'aviez quand même pas mal demandé, je vais être très honnête avec vous. J'avais pas vraiment prévu, même spécialement prévu de faire un let's play sur ce jeu. Bien au contraire, j'avais même pas prévu à la base de le prendre. Et je me suis dit bah écoutez c'est l'occasion de l'essayer. Sachant que je ne connais même pas du tout cette licence, je n'ai jamais joué à Dead Island premier du nom, il vient de sortir très récemment. Je me dis, allez, autant en profiter, autant découvrir le jeu. En plus ça a l'air beau, et surtout ça se passe à Los Angeles, LA, ils ont fait un jeu de mots d'ailleurs, Hell, Hey, voilà, Hell pour l'enfer, bref, incroyable. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir ça. J'espère que vous êtes contents, j'espère que vous allez apprécier ce let's play, une demi-heure pour chaque épisode environ, on va faire ça comme ça. Et puis on va se retrouver tous les jours évidemment pour un nouvel épisode. Comme ça on est plutôt pas mal. Évidemment la qualité maximale en 2K, faites-vous plaisir, et puis mettez vous dans le noir éventuellement, puisque c'est un jeu un petit peu horreur si je puis dire, mais bon un peu fun quand même, donc ça va être assez amusant, je l'espère. En tout cas on va directement lancer la nouvelle partie, j'espère que vous allez kiffer. Identify as human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks through them. Can you catch me? Shadows on the wall, underneath concrete tired waves, hiding in the open, run from the cold, there's broken shoes. And it rains of course, eh, Jefe? Like we're fully booked. Better grab my seat. Wait! City's fucked. I'm not staying behind. The walls are down. They're getting through. Wait for Tango. Go. There better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my old jacket. This'll do. Oh my god, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? There's a 71 Heavy, call Zulu! We have a second passenger. She always likes surprises. Ah ouais d'accord, et c'est comme ça que ça commence. Et je pensais pas du tout qu'on allait être à fond direct comme ça. Choisissez qui laissera dans son sillage une traînée de cadavres de zombies dans l'enfer de LA. Ouais d'accord, en gros on va choisir notre personnage quoi. Ah excellent. Alors on a Jacob qui a l'air complètement déjanté bien sûr. On a Bruno. Bruno qui m'attire pas spécialement. Bon ils ont des attributs aussi, faut faire attention à ça. Carla bien mignonne. Dégâts critiques 1-1. Résilience 1-1, santé max 1-1. Ah, Dani. Attendez, mais. Ah non, car oui, je croyais que c'était le même prénom. Je me suis cru sur Far Cry 6 pendant un moment. Hein. Ok, Ryan. Incroyable, Ryan. Déjà, Ryan, il me fait kiffer. Juste par sa prestance. Et Amy, je suis déjà en crush. Voilà, je vous le dis, je suis déjà en crush. Bon, bah écoutez, on va partir, je pense, sur Ryan. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout le monde
choisirais Ryan. Je ne sais pas pourquoi, mais Ryan, voilà, moi ça me fait penser à Far Cry 3 en plus. Aucun rapport, je suis désolé, voilà. Mais bon, agilité par contre, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Ah ouais, c'est ça le problème aussi, quoi. Hein. Est-ce qu'on prendrait pas une femme, justement, tiens? Eh, regarde l'agilité qu'elle a. Eh, franchement, c'est ma crush. Et je prends Amy. On est là pour ça. Voulez-vous vraiment vous frayer un chemin en massacrant tout sur votre passage? Bien sûr! J'accepte! Let's fucking go! Le destin est scellé, messieurs, dames! Le destin est scellé! Non, il faut pas l'enlever! Bah ouais, bah ça coupe. Bah ouais, d'accord. These nuts. Ok, c'est parti. Et on est parti pour configurer les touches. A tout de suite. Allez, c'est parti. Vous vous videz de votre sang, bien sûr. Eh ben, écoutez. Bah ouais, c'est fort embêtant, je suis bien d'accord. Oh, parfait, une trousse de secours, superbe. Ça commence bien. Ah, j'avais pas fait attention, on a un pied en moins en fait, d'accord. On a déjà un pied en fait spécial, je sais pas comment on dit. Bon allez, on va vite se barrer de là parce que ça sent pas bon du tout. On s'est enlevé un corps étranger, il ne faut pas normalement, mais bon, dans ces conditions, je comprends. Hop, oh waouh, c'est magnifique. Ouais, j'ai fait mon PSC1 il y a pas longtemps, il y a quoi? Oh là là, un feu d'artifice. Ah non, oui, d'accord. Trouver les autres survivants. Alors, ok, bah c'est parti mon kiki. On y va, est-ce qu'on peut courir? Bah pas exactement, hein, vu l'état dans lequel on est. Allez Amy, tu peux le faire, Amy Winehouse. Peut-être passer par là, très bien. Mais pour le moment c'est un jeu qui est relativement joli. Oh. Allô? Ah. Ah, ça commence déjà avec des hallucinations, c'est pas mal ça. Ok. On a une machette. Ah bah c'est parfait ça. C'est parfait, comment ça fonctionne? Très bien. Ça va nous permettre de casser bah, ce carton du coup. Mais oui. Allez, on progresse jusqu'aux autres survivants. C'est assez intéressant, c'est typiquement le genre de jeu que je ne joue pas, hein. Vraiment, je vous le dis. Donc c'est vraiment une première pour moi, ce genre de let's play. Oh, incroyable, une caisse. Des pièces. Très bien, en fait, va falloir faire très attention. Parce qu'à mon avis, on va passer à côté de certaines choses. Je me connais en fait, hein. Moi j'ai tendance à... Voilà, il faut faire attention. On voit absolument rien. Je sens que je vais crier, hein. Ah, on a une lampe torche. Oh, waouh. Attendez, on va juste vraiment prendre notre temps. Autant profiter les gars, le jeu il coûte 70 boules. Donc comptez sur moi, je vais quand même profiter et prendre mon temps quand même d'analyser les choses. Donner un coup de pied, hop. Wow. Oh putain, c'est bon ça, ok. C'est quoi ce bruit? Oh non. Oh non, mais s'il y a des bruits, alors toi t'as mal fini toi. Ouais, bon c'est un vrai jeu d'horreur, hein. C'est pas ma cam, hein, les jeux d'horreur. Ah. Mais c'est pas vrai. On fait pas ça, hein. Très bien, allez. Ceci étant dit, ceci étant fait, tous les épisodes sortiront à 19h, je vous le dis. Ouais, bon, ça c'était prévisible. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors on peut, voilà, donner des coups de pied, c'est chouette. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai le champ de vision à fond, si jamais vous voulez savoir. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus grand. J'entends des gens agoniser. Ah, ça y est, je peux courir. Incroyable. Est-ce que je peux faire une glissade? Ah ouais, chouette. Ok, par ici. Oh là. Par ici, bien sûr. Ça me paraît évident. Ok, on s'en rapproche. Oh yes. Est-ce que je peux récupérer? What? Attends. Ok, je peux rien récupérer. C'est moi qui bouge dans l'avion, bonjour. Hop, excusez-moi, je suis énervé, hein. Anyone injured? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Amy. This is fucking tremendous. Emma, darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is
stop standing there and find me some fucking shoes! Oh, hey. You know you got all, like, blood coming out of your ears. What? I can't hear you! I got blood coming out of my ears! Well, I mean, what are we going to do? Start warming up. People, this is Emma Jaunt. Cool. Of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. Oh non, c'est trop. Ce jeu va me plaire. Something there? Careful. Come on, Ames. Oh, hi. My wife. Oh, crap. She's alive. I feel a pulse. Get this off me. Want to stop just standing around? Michael, help. Bon, l'équipe de bras cassés quand même, c'est assez impressionnant, hein. Come on, boys. Let's see those muscles. Ready, lift! It's too heavy. I think they're getting closer. We need to go. Whoa, time out. I'm not leaving. I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Are you for real? Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. I hope you get eaten. I'll call the army. Send help. Go. Bon, ça, c'est assez sympa qu'elle ait donné son adresse, quand même. Hey, okay. Looks like I'm up. Oh, je sens que ça va me plaire cette histoire. Obtenez de l'aide. Some backup. Uh-huh. Hey. Ok, ok, ok. Le petit tutoriel pour se débattre. Ok, on peut attaquer genre comme as. Ok, comme as. Comme as. Votre arme a cassé. Fort ennuyeux. Fort ennuyant. Récupérer une autre arme. Bah, je veux bien. Ça va, Angelina? Elle est pas très jolie. Angelina Jolie. Allez! Ça, c'est quoi? Un marteau. C'est encore mieux. Mais il faut pas faire ça. Hop, ça dégage, hein. Voilà, allez, je prends mon marteau, j'ai dit. Et je te défonce la race comme as. Oh putain, c'est bon ça. Oh purée, vous êtes beaucoup là quand même. Oh là là. Ok, est-ce que je peux me protéger, non? F, lorsqu'un zombie est à terre, d'accord. Allez, hop, je dégage. Alors, je sens que je vais crever comme un débile. Hop. Oh, beau ça. Ok, on peut récupérer en plein vol des trucs. Je peux faire ça, d'accord. Ok. Ok, tuez les tous. Attends. On va avoir un petit problème là. Voilà, hop, ça dégage. Hop, des coups de pied. Oh, d'accord. Ok, oh putain, mais je pense qu'on va pouvoir faire des combos incroyables. Alors, pardonnez-moi, mais moi c'est vrai que je suis pas friand à la base de Dead Island, je ne connais pas. Donc c'est pour ça que je découvre, hein. Hop, ça dégage. Voilà. Parce que je te matraque la figure. Oh, ah. Voilà. On s'en va. Voilà. Hop. Hop. C'est bon, t'es déjà mort. On va récupérer ça. Faut aussi que ça dégage. Ok, on se fait un petit soin. Oh là, le coup de pied passe bien. Votre arme a cassé. Ah, heureusement que un tube en acier apparaît. Joshua, ça va? Je te défends. Ouais. Il me faut encore quelque chose là, non? Il faut que je récupère quelque chose encore. Peut-être là-dedans? Non, pas du tout. Que dalle. Allez. Aucune peine. Dans ta face. Voilà, du bois brûlé. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec du bois? Je peux faire beaucoup de choses avec du bois. Est-ce qu'il y a encore des gens? Il faut que je lance mon arme sur la roue. Ah. Ok, alors attendez, bougez pas. Regardez comment je vise bien. Incroyable. Oh. Oh, waouh. Et ça, c'est du stop motion de qualité.
Yeah. You're all fucking with the wrong girl. Okay. Check on the others. Bon, Joshua. Can't lie. We are in a tough spot here. Hey. Oh, God. How the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Hey. We're not beat yet? Here. Ma'am? Can you hear me? I got some water. Ça sent pas bon, ça, hein? Stay hydrated. Ah. I gotta get help. Fort mieux. 66 Alpine Drive. Eh oui, heureusement qu'elle a donné son adresse, la madame. Heureusement qu'elle a donné son adresse, la madame. Dead Island 2, voilà pour l'intro. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça me fait penser à quelque chose d'actuel qui se passe à Los Angeles. Pas exactement, mais bon, ceux qui voient de quoi je veux parler, bah voilà, bonsoir. Entrer dans la partie. Eh ben, on va rentrer dans la partie, y'a pas de problème, moi je rentre dans la partie. Winners don't quit. Oh yeah, Bel Air. Still on track. Alors, on sait absolument pas comment on a fait pour arriver jusqu'ici. Où êtes-vous dans Bel Air? Très bien, donc là on recherche Emma bien sûr. Bah écoutez, une villa de riches. C'est forcément ici. Un colis. On a un colis. Emma réside de l'autre côté de cette demeure. Vous allez devoir trouver le moyen de le traverser en jouant des coudes pour vous y rendre. Ok, ah ouais. D'accord, point de navigation. Ah, Emma, elle est là. Mais comment ça se fait qu'on... Déjà, c'est cool parce qu'on est rentré dans le bon quartier direct. Ah, c'est vraiment fou. Comment on a fait? C'est dingue. Le plus intéressant, on vient de le zapper dans une... c'est ouf. Bon, allez, bah écoutez, on va y aller. On va essayer d'y aller. 70 Alpine Drive. Tout ça fait 70. So, if I cut through this house, I'll come out right by Emma John's place. D'accord, donc il va falloir le disjoncteur pour ouvrir. Needs power. Voilà, c'est ça. Il faut du courant. Dans ce genre de situation, est-ce qu'on a vraiment besoin de courant pour ouvrir ça? Parce que concrètement, tu défonces le machin, c'est fini. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais eu affaire à ça. Hein. Je préfère vous le dire. Ok. Bah là, il faut du courant. Ah, si, ça marche. Très bien, là c'est bon. Fouiller le garage. Donc là, on va trouver un disjoncteur qui va être là-dedans. Pas du tout. Le disjoncteur, il va être dans le garage, c'est logique. C'est ça ce qui est plutôt pas mal. Rétablissez le courant de la porte de la résidence. Ah bah voilà, mais c'est bon, mais putain, mais c'est un truc de dingue. Attendez, je vais le lâcher parce qu'il y a d'autres trucs à récupérer quand même. Des pièces, voilà, une tondeuse. On peut faire un petit peu finalement couper l'herbe. Parce que bon, l'herbe, ça prend feu. Et comme il y a du feu partout, on peut limiter la casse si on coupe l'herbe. Bon, enfin, je dis ça, je dis rien, moi je propose des solutions. Hein. Ok, bah écoutez. Excusez-moi si je dis des bêtises, je suis un peu stressé parce que je sais pas du tout ce qui va se passer. Donc, attendez, on peut passer derrière là. Oh. S'ouvre par l'autre côté. Évidemment. Évidemment, ça aurait été trop simple. Allez, plaçons le disjoncteur, bien sûr. Ah, je m'y connais, moi, en disjoncteur. Hein. Je suis un vrai électricien. Oh, mais c'est qu'il se passe des choses. Next. Ah, et ça s'ouvre direct, en plus. Ok. Alt G, tout en donnant une direction pour esquiver les attaques. Oh. On peut se la faire en moonwalk, regardez. Incroyable. Hi-hi. Michael Jackson. Allez.
Hop, coup de pied. J'ai déjà les bons enchaînements peut-être. Hop, ça dégage. Eh, ça c'est un plaisir. Ça c'est un plaisir. Moi je fais la danse, vous savez comment on dit là. Quand tu lèves les jambes là. Hop, coup de pied dans la gueule. Paf, ça dégage. Hop, toi aussi c'est pareil hein. Et voilà. Oh, toi tu restes au sol par contre, je t'ai pas demandé de te relever. Hop, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied. Bon, je pense que les coups de pied ça épuise moins quand même. Voilà. Et on peut récupérer des attaches, hein. C'est chouette hein. Bon, qu'avons-nous là? Vous en pensez quoi jusqu'ici du jeu, dites-moi. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez le jeu? Est-ce que vous avez déjà regardé des let's play? Ou est-ce que c'est votre premier contenu que vous regardez? Si c'est le cas, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous trouvez ça chouette ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire, le petit like évidemment, n'oubliez pas. Le like ou le dislike, bien sûr. Un peu gore quand même, hein. Un peu gore évidemment, bah c'est peut-être exemple, hein, voilà hein. Hop, coup de pied, votre arme a cassé. Ah bah c'est pas grave, coup de pied, hop, 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 hop. J'adore ce qui se passe. Maintenez pour ouvrir votre roue des armes. Ah, ok, bah au fait on a pas mal de choses. On a du bois par exemple. Ah ouais, et on peut lancer le bois. Attendez, je fais un test. Superbe, on peut le reprendre. Superbe. Bon bah voilà, allez, on va sonner. Pas du tout. Ah, so how do I get in? Porte verrouillée. Ah, il y a une caméra. Eh, hey, s'il vous plaît. Ok, ma santé elle est en haut à gauche. Il me reste une seringue, j'ai compris, je suis un génie. S'ouvre par l'autre côté, très bien. Bah donc du coup. Et heureusement qu'il y a les points d'objectif quand même. Ah, par contre, il faudrait quand même que j'ai une arme. Voilà. Non, j'ai pas d'arme dans la main là. Comment ça? Voilà. Bon, ouvrir. Oh, oh my god. Oh, j'aime pas l'ambiance. Eh, mais c'est un iPad. Incroyable. Ok, on vient de manger une barre de céréales. On sait même pas si c'est périmé ou pas. C'est chouette. Bah, après, quand on a faim, il faut manger. Hein. C'est bien vrai. Allô? Ah, excusez-moi, j'ai éternué, j'ai coupé mon micro. Alors, une guitare. Ça ne passe pas. Comment ça, ça ne passe pas? Qu'est-ce que tu racontes, ça ne passe pas? Ah ouais, passage secret et tout. Trouvez les panneaux connectés à la porte et détruisez-les pour débloquer la serrure. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il faut trouver les panneaux. Attends, j'ai rien compris là, ce qu'il faut faire. D'accord. Trouver les panneaux. Alors attendez, un piano. Non, c'est des panneaux qu'on veut, c'est pas des pianos. Piano panier. Piano panier, piano panier. Piano panier, piano panier. Poulet pané. Bon, c'est pas ici. Donc déjà là on est un petit peu débile. Enfin, jeu, hein, désolé de vous inclure. Mais vous faites partie de l'aventure, voilà. Vous faites partie de l'aventure. Introduisez-vous dans la playesse de survie. Oui, ça j'avais compris. Oh, regardez une fenêtre ouverte. Eh, j'ai la solution. Pas du tout évidemment. Ça me paraissait justement trop réaliste pour que ce soit ça. Attendez, mais j'ai zappé quelque chose ou je suis un débile? S'ouvre par l'autre côté. Hein. Non mais j'ai raté un truc. J'ai évidemment raté un truc. On n'a pas des astuces, quelque chose comme ça? Trouver le panneau. Non mais c'est ça le panneau, je suis con. Voilà. Salut. Allez, hop, reste au sol toi. Coup de pied, 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 coup de pied. On économise l'arme. Est-ce que je peux te taper la tête, non? Allez, reste au sol, là. Putain, mais t'es invincible. Allez, ça dégage. Eh, par contre, là, je suis en train de te matraquer. Hein. Là, j'ai aucune peine. Votre arme a cassé. Rien à péter, moi. Rien à péter. Allez, hop, hop, hop. Voilà, fini au sol. Terminé, pesé, remballé. Bon, c'est plié. Par contre, j'ai plus d'armes. Hein. Il me reste plus que du bois. Hein. Can we just call a time out? Ok, barre de santé, je suis au maximum tellement je suis fort. Incroyable. Waouh. Ok. Ok, on récupère tout ce qu'on peut. Carte de la résidence. Ok. The guy who turned and did this. That's not going to be me. It's not. Ok. Bon, il se passe des choses bizarres. Hein. Il se passe des choses bizarres, évidemment. Non mais les gars, par contre ça va être très très... Ouais, je t'ai fou toi. Ah oui, je peux esquiver, c'est vrai. Coup de pied. Hop, ça dégage. Hein. Hop, hop, j'esquive. Attends, je m'entraîne. Hein. C'est le but du jeu. Hein. Regarde, viens là, hop, j'esquive. Hop, coup de pied, hop. Ah, dommage. Voilà. Attends, je m'occupe juste de lui, comme ça c'est fait. Voilà, hop, je recule, incroyable. Ah oui, on peut envoyer les bâtons, c'est vrai. Ah ouais, mais j'aurais pas dû, putain, quel con.
Attends, bouge pas. Hop, ça dégage. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. J'adore dire ça. Hop. Ensuite ça, 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 ça. Putain, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie carrément. Par contre là j'ai un problème, c'est qu'il va falloir que tu restes par terre là. Là c'est un petit peu gênant ce qui se passe. Attends, je récupère ça, hop, voilà. Et hop, ça dégage. Allez, merci, bonsoir. Je vais récupérer tout ce que j'ai jeté quand même. Voilà, ça c'est pas mal. J'ai de nouveau donc une bois brûlé. Mais pourquoi je peux pas l'avoir dans ma main là, le bois brûlé? Je comprends pas. Si ça je peux. F4 abandonné. Ouais mais je comprends pas pourquoi je peux pas utiliser. Genre ça c'est rouge, je comprends. Mais ça c'est pas rouge. Je ne comprends pas. Bon, on va toujours garder un truc dans la main, c'est quand même sympa. Allez, lecteur digicode. Bon, et eh ben c'est parti pour d'exploration. Il veut que je monte, mais attends, on n'est pas là pour ça. On est là pour explorer avant toute chose. Regardez à gauche. Alarme. Certains véhicules, objets et bâtiments sont équipés d'une alarme. Les endommagés déclencheront une puissante sirène de sécurité qui attirera les zombies. Détruisez les boîtiers d'alarme. Ah ouais, putain. Eh ben, je fais comment moi pour détruire les boîtiers d'alarme? Ah bah du coup maintenant j'ai peur de déclencher une alarme. S'ouvre par l'autre côté, évidemment. Tout s'ouvre de l'autre côté, c'est incroyable. De l'adhésif, c'est chouette ça pour se scotcher le zizi. Ok, excusez-moi, chacun ses délires. Bonjour, très joli là hein. Oh, attendez, on va juste profiter. Oh. Chez Emma Jones, c'est là-bas, très bien, d'accord. Il n'empêche que là, Los Angeles, ça fait rêver hein. Ah, waouh. Ah mais il y a des zombies dans l'eau, incroyable. Ils sont en train de vivre leur meilleure vie en fait. Ok, on a eu la petite lampe torche. Voilà, bonsoir. Ah putain, mais je suis curieux. Eh, je suis quand même curieux, on a raté quelque chose. Ce serait dommage, franchement, ce serait dommage. On va redescendre les gars. On va redescendre. Hein? Je me chie dessus. Bon, où est le boîtier d'alarme? Je ne sais pas. Ça, c'est ça le boîtier d'alarme? I think swords could be making a comeback. Ok, les épées, très bien, bonsoir. Bon, on récupère des choses, hein, c'est pas mal. Ok. Bah, j'imagine que si je tape ça, je vais tout casser, donc je vais pas toucher. Bon, bah écoutez, au moins j'ai récupéré des trucs. Allez, hop, on y va, on perd pas de temps, je me chie dessus. Je me chie dessus, je vais avoir du mal, hein. Je vais avoir vraiment du mal, mais je vais assumer, je le fais pour vous, messieurs, dames, on est ensemble, carrément. Hop, pardon. Ah! Putain! C'est pas vrai! Oh non, par contre, ça va être très compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Hop, ça dégage. Restez par terre tous. Allez, hop. Hop, 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 voilà, voilà, je te respecte pas, t'es qui? Je sais pas. Hop, voilà, j'enchaîne, hop, esquive. Je suis dans la merde un peu là, non? Dégage. Allez, arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous... c'est pas cool. Vous êtes trop nombreux. C'est pas legit. Oh non, bah ouais, mes frères. C'est pas legit. Attends, attends, il y en a un là. Hop, je le termine. Hop, esquive, arrière. Hop, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied. Je récupère un truc, mais c'est pas vrai. Dégage. Ok, ok. Je sais pas s'il y a moyen de faire des combos genre spécifiques. Oh putain, je l'ai cassé en deux le mec. Ah mais on peut donner des coups de patate. Voilà qui fait plaisir. Coup de pied, coup de patate, ça dégage. Hop, pareil. Voilà, aucune peine. Voilà, comment je me soigne? Je ne sais pas. H, ok, je me soigne. Coup de pied. Voilà, et surtout reste au sol. Comme as. Voilà. Et je récupère une barre de céréales. Parce que le céréale, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon. Une queue de billard. Ah oui, c'est un billard. Incroyable. Attendez, on peut peut-être faire une petite partie de billard. Queue de billard. Oh. Ah, c'est pas exactement comme ça qu'on joue au billard. Mais enfin. Mais enfin. Mais enfin, ça doit faire mal quand même, hein. Alors. Hop là, je casse tout parce que je me trompe de touche à chaque fois, c'est incroyable. Ah, j'étais pas obligé de me claquer une seringue, visiblement. On a de la bière. Vieille bière. Oh, c'est en français. Oh, la bonne bière pression là. On reconnaît. Bon, c'est pas de la météore, mais enfin. Très bien. Excusez-moi, moi quand je vois de la bière, j'ai tendance à rester longtemps. Alors.
Ok, bon là, il y a plein de choses qu'on peut boire, mais je n'ai pas soif. Ouais, une bonne bière, t'as pas besoin d'avoir soif hein, quand même pour boire. Bon, ici j'ouvre. Oh, crap. Ah. Different code. Different code. Yep. Yep, yep. Different code. Ah. Ah ouais, on est derrière. Alors je peux ouvrir là ici. Voilà, et là on est de nouveau. So hot. So, oh yeah, you're hot. You're hot, my man. Voilà, donc là on revient à l'arrière. Voilà, comme ça au moins c'est ouvert. Ce qui permettra de faire rentrer tous les zombards. Je pense que c'est une bonne idée. Oh. Verrouillé. Je sais pas si c'était une bonne idée de tout ouvrir. Bon. Trouver le code du portillon arrière. Qui est donc juste ici. Pas de problème. Bah écoutez, je vais m'occuper de ce gros tas là. Excusez-moi, c'est un petit peu vilain ce que je dis. Ah merde. Ne vous y méprenez pas, c'était pas vexant à la base. C'est juste parce que vous avez une forte Ah, attends. Voilà. Attendez, moi je suis très mauvais en clic tout machin là, comment on dit, vous savez les QTE là, voilà. Et par contre, la batte de billard. OK, bon ben voilà, je suis pas très bien niveau santé mais je me dis que je vais pas user une seringue étant donné que je n'en ai que deux. Attendez, hein, je fais un petit peu le tour du propriétaire. Moi, vous savez que bon, Los Angeles, ça me fait kiffer. Donc si déjà, voilà, regardons un petit peu la vue. Voilà, on a vu la vue. Allez. Oh. On peut ouvrir. Non, c'est verrouillé, bien sûr. Ça me paraissait trop simple. On prend notre temps, messieurs dames. Bon, c'est encore la phase tutoriel, mais bon, quand même. Oula. Oh fuck. Oh yeah. This is bad. Well, I'm feeling pretty disastrous. Oh, c'est un sauna. Incroyable, hein. Trop bien les saunas. Ok. Ah bah on est de nouveau en haut. Ah ouais. Ah bah c'est bien. Ouais mais par contre si ça respawn à l'infini, il va te faire foutre toi. Le truc qui respawn à l'infini, ça va la comédie hein. Je prends une petite boisson. Je peux sauter. Ok. 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 I'll take a look around. Ok. J'ai un bug. Attendez, j'ai un bug. Je peux plus toucher ma touche Q. Comment ça? Ok, le jeu bug. Bonsoir, je marche tout seul. Ok, j'ai trouvé la solution. Très bien. Bon, écoutez, ça c'est fait. Alors, on récupère des pièces. On a une note. On a une note. Comment j'ouvre la note? Ah, code du portail. Oh bah voilà, 1975. Incroyable. Et le portail est derrière. J'ai réparé votre portail. Voilà, 1975. Allez, on a le code, messieurs, dames. On peut se barrer. Et ça, ça me fait plaisir. Hop, attendez, avant toute chose, on va quand même explorer si déjà on est là. Qu'en pensez-vous? Hein? On va reprendre une arme quand même dans la main, ce serait chouette. Comment je fais? Oh, une pelle. Oh, oh, la pelle, c'est mortel. Hein. La pelle, c'est mortel. Oh, on est de retour. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on va aller faire le code. 1975. 1975. C'est par ici. Hop, voilà. Ah, bah, il y avait pas besoin de retenir en fait. Bon, mais ma foi. Ok. Eh ben, oh, il y a les pompiers et tout qui étaient déjà là. Les secours, les paramedics. Par ici. Out there. It's Amy. From the crash? Let me in already. Oh, okay. Come in. C'est adorable. I did it. Allez, go, 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 go. Just need to rest. Get in. It's crazies everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? I'm okay, my head is splitting. Get away from this house! You fool! Ray, what are you devil? Doing? Give me the gun! No! You have been beaten! You will turn, eat as I know. I've seen it now. Get away! Freya! They were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home!
You abandoned me! Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... gun! Stop shouting. I need a timeout. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means they will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, I'm going to be sick. Shoot them! Heureusement que c'est des débiles qui savent pas viser, parce que là, on n'aurait pas été clair. Ah ouais. Say something. Hello? You didn't shoot me? Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. Both got lucky. You can take these off, I'm feeling okay. You do seem better. And the bite's healing, too. But you're staying locked up. Well, the fever's gone. That proves... No, it proves nothing, okay? I mean, people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. You got me. I kicked a bunch of zombie ass already. I am 110% team living. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house! They're trying to get in! You can't leave me like this! Let me help! Shit! Okay, they're toy cars, just press the button! Come on! Ah, ce jeu! Allez, let's go! Eh, hey, genre c'est que maintenant que les infectés essayent de rentrer dans le bâtiment, c'est ouf! Qu'est-ce qui se passe? Voici le jeu de compétences. Ah, les compétences sont des mouvements et bonus de combat qui apparaissent, ok, pour faire des enchaînements, etc, d'accord. Donc, ouais, c'est un petit peu comme, évidemment, beaucoup de... Voilà, il y a des compétences qu'on peut débloquer, bien sûr, des aptitudes. On débloque des cartes, on peut les sélectionner, c'est chouette. Voilà, donc là, j'imagine que il va nous expliquer ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, rend de l'endurance quand elle touche avec un lancer d'arme. D'accord, bah écoutez, est-ce que... Non, remets-la, mais non, mais... Voilà, allez. C'est parti! Niveau supérieur, on est niveau 3, bien sûr! Let's fucking go! What do we do? Open up! I'll take him on! Are you sure? Take the gun! You might need it. Just don't pass out. Oh my god! Ah! Let me in! Hurry up! Give me that! Bah non, mais faut pas ouvrir! Wish me luck! Mais y'a pas à ouvrir, y'a pas. Hop, ça dégage. Allez, nouvelle carte survivant. Ça veut dire quoi ça? Rend de l'endurance, ça j'ai déjà vu. Ah non, voilà, appuyez sur E en l'air, déclenche un puissant coup de pied. Oh ouais, trop bien. Appuyez sur Alt G d'une direction pour éviter les attaques. Esquive au bon moment, rend de l'endurance, ouais. D'accord. On va essayer de sauter, courir. Hop! Ouais! Allez, reste au sol, toi. Moi, juste pas ma pelle. D'accord. Bon, bah, j'aurais usé ma pelle. Attendez, on va faire le truc. Hop! Oh, 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 oh. Incroyable! Ah, marche pas à tous les coups. Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Et hop là, 2 pour le prix d'un. Ou 1 pour le prix de 2. Hop! Et ça dégage. J'aurais bien aimé enchaîner avec l'autre. Malheureusement. D'accord. Un petit soda entre deux. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Disjoncteur. Ok, trouver un disjoncteur. Bon, ben on va trouver un disjoncteur. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Donc on va aller dans le garage. On va aller dans le garage. À la one again. Pas si ouf que ça en vrai ça. Mais la pelle elle est incroyable, c'est dommage que les outils se cassent. Oh. Ok. Ok, rien à récupérer ici. Des pièces. Très bien. Du feu, attention parce que le feu ça brûle. Du soda. Glacière. Ah. Tu refais plus jamais ça. C'est certainement moi qui l'ai ouvert mais ça m'a fait peur.
trousse de soins, étoffe, adhésif, bidon. On a pété moi du bidon d'eau. Ah si, pour éteindre le feu. Incroyable. Mais ce jeu est dingue. Ce jeu est dingue. Et là on a le disjoncteur. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce jeu. Et on peut attaquer avec un disjoncteur. Mais non. Attendez, je vais attaquer avec un disjoncteur. Ah ben voilà, on va pouvoir le faire. Allez, salut. Ah. Oh, c'est pas si ouf que ça en fait. Voilà. Hop, reste au sol toi. Je dis reste au sol toi. Va au sol toi. Mais mourrez tous. Allez tous en enfer. Oh non. Hop là. Hop, je saute. Et ça dégage. Hop, j'enchaîne. Ok, j'enchaîne. C'est qui j'enchaîne, je ne sais pas. Dégage. Eh, tu fais quoi? Reste au sol. Oh non. Pas cool. Hop, les tétons. Dans la gueule. Dans la gueule. Dans la gueule. Voilà, moi, j'ai pas le temps pour tout ça. Trousse de soins, je ne peux pas. Ok. J'en ai 5 au max. Alors, je vais me soigner. Alors, attends. Comme ça. Voilà, comme ça, je récupère. Ok. Bah c'est plutôt pas mal, donc là on a fermé le portail grâce au disjoncteur, incroyable. Donc là évidemment les monstres ne peuvent plus passer par dessus, c'est évident. Allez let's go. Ah il va durer une heure ce premier épisode, j'espère que ça vous fait kiffer. Ça me fait plaisir. Andrea ça va? Shut the door. Madre mia. Ah. Is it safe? Are the devils gone? It's safe. Thanks to me. Ouais. Where's your boss? Prends pas la confiance. Allez hop. Chalk one up for Team Living. Thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me, Emma. Oh, fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Now, since the health of our possibly undead friend here not is... Undead. We can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead person here. A lead protector. And Emma, I will be your protector. Moi j'adore, ils ont un humour à la GTA je trouve. Un peu Rockstar Games. Ils ont vraiment le même humour je trouve et ça me fait kiffer. Allez. Shit. You got no shot on this 8 ball. Lose the cue. Okay. Boomer. Oh putain. Don't touch her. Sam. You hear that 8 ball line? I saw the cue and nailed it. You're shocked, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. I think we should talk about this. Bon, si ça c'est pas le manager, je me coupe une couille. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Guess again. City's locked tight. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. No one's been through this before. Guess again, again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. So are they. Me? This motherfucker? This motherfucker. So, you're not special and we're doing fine. Thanks. I'm immune? You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. And you know you do. I'm immune! Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. What does he mean being famous doesn't count for shit? How ridiculous! I'm zombie proof. I need to talk to our zombie expert. This is Emma John we're talking about here. Très bien, bah écoutez, on est immunisé bien sûr. Eh, ça nous étonne absolument. Hein. Voilà, boisson énergisante. Il y a des boissons énergisantes partout, c'est absolument dingue. Et il y a même pas de bière, c'est ouf. Bon, appelez la cavalerie. On va aller discuter avec Sam qui est là-haut. Vous avez des emplacements de compétences vides. Eh bien, on va en profiter pour se les mettre. J'imagine qu'au début, ça va aller très très vite tout ça. Donc là, je viens de débloquer. Attention, docteur, utilisez une trousse de soins
déclenche une forte explosion qui réduit la stabilité des zombies proches. Putain, mais ça, eh, mais à la fin on va être à la fin on va être badass là. Avec ces 4 cartes déjà on fait des trucs de zinzin. Ok, les escaliers ici c'est cool. Eh bah écoutez, Elisabeth, bien mignonne Elisabeth, Los Angeles. Bon, la classe, c'est LA, beau gosse. Salut Carlos, mais c'est qu'il y a du monde ici là. Ronnie, mais attendez, mais c'est quoi tout ce monde? Mais pourquoi il y a autant de monde d'un coup là? C'est incroyable. Dis-moi tout, Sam. Sam, if we're immune, we just need to get to the authorities and tell them. Sure, if you want to get dissected. What? We'll be VIPs. RIPs. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. 6 months? I need out now. National trials for the Paralympic team are next week. I have to be there. You're immune. You ain't bite-proof. I'm strong and fast and young. I know I can make it out. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic. Jackie fucking Chan rolled into one. I've sacrificed too much to just give up now. Alright, it's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Oh, tu m'offres une machette. Incroyable. Okay, this is how you give us some spice. You'll need parts, though. Take some of this shit lying around here. You really walked into a zombie outbreak to save Emma? Should never have left her. It was just... I was young. Ok, des pièces ici et là. D'accord. Bon, la machette, malheureusement, elle va pas être illimitée, mais c'est un petit peu con. Moi, ça m'embête. Use the workbench and let's get cooking. Ok, on a un établi. Il est là, bien sûr, bah évidemment. Et là, on va pouvoir crafter des choses. Établi pour réparer vos armes. Ah, d'accord. C'était la... bah, ça répond à la question que je me suis posée tout à l'heure, en fait. Seules les armes de qualité inhabituelle, rare ou supérieure peuvent être personnalisées. Ok, d'accord. Donc personnaliser une arme. Donc là en l'occurrence la machette. Je peux ok. Ah maintenant elle est électrique. Non mais frérot, toujours plus non. D'accord. Bon ben maintenant elle est électrique. Avantage. Récupérer des pièces. Oui mais je peux savoir ce que c'est comme amélioration ça. Amplification, d'accord. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. Manche renforcée, bon ça on peut pas toucher, d'accord. Ok, donc là on a une machette électrique. Et du coup, ces fameux outils là que je me demandais pourquoi je les avais dans l'inventaire, etc. Et bah normalement, ah non, je peux pas les réparer. Je peux pas les réparer, par contre. Mais c'est à quoi récupérer? Ah oui, voilà, je peux les réparer, si si, tout à fait. Tout à fait, donc là moi ce qui m'intéresse c'est la pelle. Donc là j'ai récupéré la pelle. Oh non, qu'est-ce que je viens de faire? Oh, je crois que j'aurais pas dû faire ce que je viens de faire. Ça m'apprendra. Donc là je peux fabriquer des trucs. Bon, visiblement non. Ok. Ah, j'ai fait une bêtise. Récupérer. Mais en fait la traduction elle est débile. Ça veut dire dropper, c'est ça? Ah non, j'ai récupéré les pièces en fait. Ok, j'ai désassemblé le truc. Qu'est-ce que tu veux, Carlos? Take some of this meat as bait. It's just meat, but the zombies go for it. Save my life getting here. I got some meds you can have too. Just maybe next time you give me something in return, huh? Tu veux quoi, mon frère? Ah, c'est un marchand. Ok, je peux peut-être échanger des trucs. Donc je peux lui vendre ou acheter. Alors évidemment la machette je ne vais pas te la vendre. Je peux te vendre des pièces, bah, justement que j'ai désassemblées comme un débile. Mais je vais t'acheter bah, rien du tout parce que j'ai, je crois que j'ai un maximum de soins. Ah, pas de viande. Ah bah ça, c'est gratuit, merci mon ami. Qu'est-ce qui est gratuit encore? Des plans. Trousse de soins. Ah bien, ça va me permettre de fabriquer des trousses de soins, c'est ça? Incroyable. Bon, rien d'autre n'est gratuit. Bon bah alors tant pis. Attends, du coup, fabriquer, je peux fabriquer. Ah bah voilà, du coup je peux. Ah mais c'est les plans, purée. Maintenant je peux fabriquer les trousses de soins. Il faut adhésif, étoffe, produits chimiques. J'ai tout ce qu'il faut. Et pourquoi je peux pas suivre?
Pourquoi je peux pas fabriquer? Vous avez actuellement 5 médicaments. C'est parce que j'en ai déjà un maximum, je pense. Ouais, j'en ai déjà un maximum. Ok, niveau armes. Bon, du coup, c'est con parce que j'ai cassé des armes. Oui, attends. Attends, juste, du coup, je peux acheter des plans. Je peux acheter des plans pour avoir des superbes armes? Non? Pièce? Non. Bon, bah d'accord. Ok. Faites savoir à Emma que vous sortez pour trouver les autorités. Ok, on va aller trouver les autorités. On va faire ça dans le prochain épisode. On va pouvoir mettre du stock là-dedans également. D'accord, très bien. Bah écoutez. Du coup, est-ce que je peux faire ça? Ok, bah tous les trucs rouges, parce que je sais pas du tout à quoi ça sert. Je vais... c'est pas que je sais pas à quoi ça sert, c'est que je peux pas les utiliser. Donc tout ça, ça dégage. Je récupérerai des pièces sur place. Je vais garder du coup ça. Et ça, ça va être très très bien. Ça devrait même me suffire. On va s'en arrêter là pour ce premier épisode. Plutôt sympa, agréablement surpris du jeu, j'aime beaucoup. Entre humour un peu à la Rockstar Game, je trouve. Et puis voilà, pour moi c'est vraiment la découverte. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le dislike si ça vous plaît pas, le commentaire qui fait plaisir, j'ai hâte de vous lire. Et puis si vous me découvrez et que vous n'êtes pas abonné et que je vous intéresse, alors que je vous intéresse, ne vous y méprenez pas, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Waouh! Et activer la cloche sur ce panneau Hollywood. Plein de bisous les amis, c'était Mkolo. Ciao tout le monde. Ha!